souvenez-vous, 1974. Maurice Jobert, viticulteur consciencieux, invente le tire-bouchon à pédales. Merci. Pierre-Joseph Carême, viticulteur sans talent, flairant l'opportunité de faire fortune, s'empresse de lui voler cette invention, brisant ainsi leur amitié. Encore aujourd'hui, les deux familles se livrent une guerre sans merci. 2005. Pierre-Joseph se console de la disparition de sa première épouse, en se mariant avec la riche héritière Bénédicte de la Tour des Pinfrancs. Elle donnera naissance à un fils, Jules, qui décédera quelques mois plus tard d'une hyperthermie mal refroidie. Inconsolable, elle fait fabriquer une réplique de l'enfant par des nécessiteux. Animée par une dévotion soudaine, elle engage un repris de justice pour que Jules retrouve bonne place au sein de sa famille. Mais ne perdons pas plus de temps et retrouvons la famille Carême, qui, comme chaque dimanche, se réunit autour de Pierre-Joseph. Oh putain, merde. Mais oui, c'est au con. C'est pas vrai, c'est pas vrai. J'ai déjà dit que ce chien n'avait rien à faire à table. Oh, ça craint, je me casse. Oh, pardon, j'avais pas mes lunettes. Bah, c'est que maman s'est trompée, hein, mon petit chouchou. C'est que ça la bougeotte à cet âge-là. Voilà. Oui, bah mets ta serviette quand même. Je voudrais profiter de l'occasion. Non, mon petit chéri, t'as mangé comme un petit cochon. Je voudrais profiter de l'occasion. Oh, pour... Tu vas pas nous emmerder avec tes élucubrations de starlette. Laisse-la parler. Après tout, c'est dimanche. Comme chaque matin, alors, où mélange à la campagne. Marie-Claire Robert s'enfuit la nouvelle lumière. Oh, ça tourne là! Comme chaque matin, à l'heure où blanchit la campagne, Marie-Claire Jobert s'enquiet des nouvelles du monde. Nia, 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 nia. Mais oui, t'as raison, ma chérie. Vous l'avez bien dit? Nia, 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 nia. Nia 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 nuit nia nuit nur nia 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 nia. Surtout qu'avec sa piquette là, je comprends pas qu'il ait autant de succès. Moi. Je vous l'avais bien dit. Sud et nuageux sur la moitié nord, avec quelques risques d'orage en fin de matinée. Nia 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 nuit. Je vous l'avais bien dit. Je voulais vous dire que... Moi et Marie-Lie... Pas de ça dans ma famille. Alors New York en revanche, il faut s'attendre à beaucoup beaucoup de pluie, certainement quelque chose autour de 3 à 4 mm par centimètre carré, ou l'inverse. C'est salé ? Gnagnagné. Le Groenland en revanche, il faut attendre des jolies matinales assez fraîches. Oh putain!